Bonjour, bienvenue dans ce Poké Random, l'épisode 8. Donc, dans la dernière vidéo, tout allait très bien, hein. Donc là, j'enchaîne avec la dernière vidéo, c'est pour ça que tout va très bien, d'accord? Je n'ai pas absolument pas eu de malchance, hein, voilà, j'ai revisionné la vidéo, j'ai vraiment été nickel, hein. J'ai pas vraiment eu beaucoup de malchance, hein, voilà. Donc c'était terrible. On a été victime d'un complot du jeu. Donc là, du coup, je vous le dis, j'enchaîne la vidéo parce que j'ai le temps, d'accord? Mais je vous pré, enfin, je sens, je le vois, hein, d'accord? Grâce à mon odorat, je le vois grâce à mon odorat, d'accord? C'est tout à fait logique. Il y a pas, ne posez pas de questions. On peut voir grâce à l'odorat, d'accord? Ouais, c'est validé. Donc là, je sens que du coup, je vais avoir encore une pluie de malchance et ça va me saouler parce que comme j'enchaînais de vidéos, je vais ça peut aller très très vite. Donc là, c'est cool. Donc là, je sais pas si vous avez vu. Je sais le monde des Pokémon sur ta Game Boy. Fais beaucoup d'échanges avec tes amis. Salaud, tu me vois, tu es un dieu. Donc là, nous obtenons Evoli. Evoli. Est-ce qu'on a un surnom Evoli, sachant qu'on va pas le jouer? Concrètement, non. Du coup, non. Plus de place pour un Pokémon. Ok. Parce que du coup, voilà, on ne peut pas les jouer, c'est terrible, c'est dommage. Mais bon. Donc voilà, je vous le dis, si j'ai encore une pluie de malchance, je sais pas concrètement comment je pourrais faire pour avoir encore autant de malchance. Mais si jamais ça arrive, bah, comme j'enchaîne les deux vidéos, ça va être terrible en fait. Ça va être un carnage sans nom. Donc là, je crois pas qu'il y a grand chose en fait, ouais, y a rien. Donc là, du coup, juste continuer. Hop, voilà, on va. Voilà. Donc là, voilà, on va. On sait que je me suis calmé, on était bien détendu, zen. Donc on va aller tranquillement, les amis, au centre commercial. C'est pas ça le centre commercial, d'accord? Donc là, tout en haut, il y a des développeurs qui disent, ouais, si jamais t'as tous les Pokémon, t'as tous les 150 Pokémon, viens nous voir. Voilà, on te donnera un diplôme. Voilà, ils sont contents. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici nous sommes ici pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que nous voulons acheter une pierre foudre pour notre Pichaku. Alors ça c'est les CT, j'ai mon Carl Oignon. Donc Altmetz c'est aussi les CT. Moi je veux une pierre foudre. D'accord? Le Pikachu il m'énerve, j'en ai marre de lui. J'ai fini! J'ai fait les Pokémon! Pas toi! Prends donc ceci petit. Nickel, merci. Qu'est-ce que c'est? Riposte. Ouais. Alors en fait moi je suis pas prêt de finir le jeu si j'ai aussi peu de chance. Hein. Donc ça me fait mal. Ah là là. Donc le mec quand même il finit Pokémon! Alors qu'il est dans le monde de Pokémon. Donc c'est rigolo, c'est une mise en abîme. Oui, pierre foudre, 2100, on s'en bat les couilles. C'est pour ça qu'on a volé tout le monde. C'est pour ça qu'on était sans scrupules. C'est pour ça qu'on a gagné des millions de Pokédollars à chaque mois. Parce qu'on voulait acheter une pierre foudre. Voilà. Voilà, merci. Il faut que je me calme, il faut que je me calme parce que sinon je vais. Voilà. Si vous. Voilà, imaginons. Imaginons vous venez de me découvrir dans cette vidéo et vous ne comprenez, et que vous ne comprenez pas pourquoi je suis aussi surexcité actuellement. Eh bien c'est facile. Allez voir la dernière vidéo. C'est 40 minutes de pur. Pétage de câble, mais bon. Et du coup, Badapi, l'évolution. Oh mon dieu, Badapi évolue. Il devient plus grand, plus fort, plus beau, mais plus gros aussi. Ah, le gros tas! Ah, Pikachu, qui voulut en un gros Raichu dégueulasse. Donc voilà, donc on a maintenant, nous avons Triopikeur, Léviator, Raichu, Rondoudou et Dracaufeu. Sinon dit, nous avons, mesdames et messieurs. Ah non, on a qu'un putain seul, je suis con, on n'a pas Dracaufeu. Nous avons 4 des 6 Pokémon dont nous aurons besoin à la fin du jeu. Donc c'est pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en haut. On va acheter. Alors déjà, yo. Master Adresseur, tu le crois ça? Ouais. Même Kaidon, triple attaque. Pourquoi? Parce que je le sais. Parce qu'on s'en souvient. Ah non, faut lui donner à boire, elle est chiante. Ah, tais-toi! Allez. Bah, on va lui donner de l'eau fraîche, hein, le moins cher. D'accord. Alors, sachez que ça, là, l'eau fraîche, limonade et soda cool, on peut le. Tiens, c'est pour toi, merci pour la triple attaque. Ah, c'est laser glace. Ah non, j'ai rien dit! Elle nous donne. Une CT pour chaque type de boisson qu'on lui donne. Et du coup, j'allais dire, ouais, les trois boissons peuvent aussi donner des HP aux Pokémon, hein, évidemment. Eau fraîche, c'est genre soda. Alors, limonade, c'est 100, je crois. Soda, c'est 50. Eau fraîche, ça doit être 30 ou 20, je sais plus. Donc, on a les laser glace. On va lui offrir ça. Et donc, là, il nous donne 48. 48 qui est, je ne sais plus ce que c'est. Éboulement, d'accord. Et du coup, triple attaque pour la limonade. Putain, elle va me ruiner celle-là. Hein.
Mon dieu, 650, t'as 850 pour ces conneries. Oh. Tiens! T'as jamais, et concrètement, hein, tu bois mais t'as soif après, comment ça se passe? T'es assoiffé à vie? Genre, t'as pas de, tu les gardes pas? Triple attaque, nickel, thank you. Et du coup, on va prendre de l'eau fraîche pour les mystères débiles qui sont là. Je ne laisse passer personne, par contre, j'ai très très soif, hein, d'accord, donc voilà. En gros, je te dis directement que va me chercher à boire, j'ai très très soif, alors dépêche-toi, il mène ton cul. Donc voilà, donc les mecs. Et les gardiens, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils sont un peu, tu vois, en fait, c'est un mec, un même mec, tu vois. Mais qui a été splitté en fait. Il a été divisé en 4, tu vois, comme sur les écrans GameCube, lorsqu'on joue dans un 4 Bedash avec 4 personnes. Du coup, en fait, voilà, il s'est splitté, et du coup, en fait, c'est 4 corps, mais une seule conscience. Donc, si l'on dit, si une seule personne n'a plus soif, les 3 autres n'ont plus soif, hein, d'accord. C'est logique, ça là, c'est tout à fait logique. Hein, essayez, si vous avez un jumeau, hein, ou une jumelle, essayez donc, hein, voilà. Imaginez, vous êtes tous les deux assoiffés et affamés, vous mangez, l'autre aura plus faim, voilà, c'est logique. Tiens. Ce que j'ai soif, c'est dingue. Hein? Tu me donnes à boire? Ah. Et si moi, à ce moment-là, imaginez un monde logique, d'accord? Je suis là, j'ai acheté une petite bouteille d'eau parce que je suis en aventure, tu vois, je fais le tour du monde, et puis je me suis dit, bon, comme ça, moi, pour mes Pokémon, ils auront soif, enfin, s'ils auront soif, je leur donnerai de l'eau. Et le mec, là, il me raquette, il me dit, waouh, hein, tu me donnes à boire pour l'interrogation, mais en fait, non, il me le prend, tu vois, il me dit, tiens, merci petit, il saute sur moi et tout, il me l'arrache des mains. Et nous, voilà, c'était pour nous, hein. N'importe quoi. Ah, c'était pour à moi. C'était mon eau. Je te l'ai jamais donné. Donc, du coup, je suis un peu la déception. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Moi, ça me fait mal. Les gens, ils me raquettent comme ça. $200 partis en fumée, ça me saoule. Donc là, ce qui va se passer, c'est que cette partie-là sera déjà plus intéressante puisque nous allons faire l'arène. Ah, déjà, je sais plus où est-ce qu'on va là, à comme ça. Et là, il y a un casino. Ah, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour au casino aussi? Ça pourrait être marrant, tiens. Alors ça c'est les prix. Ça pourrait être marrant, tiens. Où est-ce qu'on va les prendre déjà les trucs? Je crois que c'est par là. On va jouer un peu au casino aussi, c'est trop marrant. Avec les Pokémon qui coûtent des milliards de jetons, ça n'a aucun sens. Je crois que personne, enfin si, moi je me souviens que j'avais joué au casino, j'avais réussi à avoir un Abra, donc le prix le plus faible. Par contre, ah oui, ici, nous avons le droit à un bug exceptionnel, je vais vous le montrer. Je pense que vous connaissez. Donc je suis en vacances avec ma sœur, voilà, ça craint à mort, tout à fait. Je suis en vacances avec mon frère, mon petit ami, celle de Paul et Cybèle. Donc là, voilà, nous sommes à un hôtel, voilà, d'accord? C'est complet. Et sauf que là, en fait, mesdames et messieurs, ce n'est pas n'importe quel hôtel. C'est un hôtel hanté. Je pense que vous connaissez tous ce glitch, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. En gros, à la base, cet endroit-là devait être le centre Pokémon, ou alors, je sais plus trop comment ça s'est passé, ou alors, il devait accueillir un PC pour gestionner les Pokémon. Et en fait, il a été soit changé, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais bon, en tout cas, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ici, là où je suis, il y avait un PC, en fait, tout simplement. Mais en fait, il est là! En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont supprimé le sprite, mais ils n'ont pas supprimé l'algorithme. Donc si on me dit si ici j'appuie sur A, ah, j'allume le PC alors qu'il n'y a pas de PC. Ouais, trop bien. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc voilà, on peut voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, on peut retirer des objets. Peut-être déjà je vais même en stocker tant que je suis là. On va stocker les CT. Ah, j'ai pas mal de CT en fait. Hein. Les CT, je verrai ça plus tard. Hein. Concrètement ici, j'en ai pas besoin de mes CT. Donc voilà, c'est génial. Donc vous avez un petit, ça sert à rien concrètement. C'est pas un bug incroyable. C'est juste, en gros, c'est juste un PC là où il devrait pas y en avoir. C'est tout. Hein, voilà. Mais c'est rigolo. C'est juste les développeurs qui ont oublié de. Alors après, je sais pas si ça marche dans la version normale. Ça, je dois dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, bah sur l'émulateur, ça marche. Et comme l'émulateur reprend les codes du jeu originel, je pense que ça doit aussi marcher. Je viens de pas savoir. Puis j'ai un peu la flemme d'essayer parce que j'ai une Game Boy Color avec le jeu, mais concrètement en fait la pile de sauvegarde de mes deux Game Boy Color sont mortes en fait. Donc si on dit même si je sauvegarde, eh bien ça ne se sauvegardera pas lorsque je rallumerai la console, ce qui n'a aucun sens, ce qui est un peu nul. Du coup, bah j'irai vendre la pépite plus tard. Donc là, on va acheter qu'est-ce que c'est ici? Oh, c'est de la merde. C'est juste des PNJ de merde. Donc là. Ah, est-ce que c'est là? Il y a un trou sous le casino. Alors le mec il nous informe bien. Donc là, on est au courant. On se dit, ah. Donc là, voilà, il a plus de thunes. Ouais. Et tiens, il me donne la boîte de jetons dont nous devons avoir besoin pour simplement pour jouer au casino. Ah, tu sais, on a 12 ans, mais on peut jouer au casino. Il n'y a pas de problème.
tout va bien. Tu perds le casino, j'ai acheté un prix, mais je t'en avant de tout claquer. Je crois qu'ici, de l'autre côté, on peut avoir des bons Pokémon, enfin, de l'autre côté. En pêchant avec la méga canne, je sais plus trop, hein. Je crois qu'il y avait des détartes ou quoi. Je sais plus trop, mais je sais qu'il y avait des trucs marrants. Donc là, on va aller au casino. Et donc là, vous le savez aussi, mais pour ceux, voilà, les jeunes, quoi. Voilà, imaginons, vous allez ici, vous dites d'accord, c'est chiant. Il nous faut des jetons, 1000 Poké-Dollars pour 50 jetons, c'est de la merde. Alors, en fait, c'est facile. Déjà, vous parlez à tout le monde. Alors. Oui, bah, c'est le Casino Rocket qui vient de le dire. Donc, vous parlez à tout le monde. Donc, voilà, il nous donne 10 jetons. Déjà, le mec est sympa. Ensuite. Voilà. Trop bien. Donc, oui. Ouais. Allez, tais-toi. Donc, lui, il est malade. Lui, c'est bon. Il est là depuis 3 ans sans être parti. Donc, c'est terrible. Donc voilà, faut parler à tout le monde parce que je sais plus qui donne des jetons. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Voilà. Ok, et... Dégage. Donc là, concrètement, si on regarde notre boîte de jetons, incroyable. Combien est-ce qu'on a de jetons? Alors voilà, on en a 50 jetons. Mais c'est pas fini, puisqu'en fait... Si nous appuyons sur A, sur toutes les cases... Au bout d'un moment... Je sais plus à quelle case, mais il y en a... Merde, je vais pas jouer pour l'instant. Ah, tais-toi. Attaque. Voilà. Je commence à me dire, attends quand même. Donc il y a des jetons par terre en fait. Voilà, 20 jetons. Donc là on est déjà à 80 jetons, hein, concrètement. Quel con, j'ai oublié de tourner. Ah! Et ensuite, on va essayer. Je sais plus s'il y en a sur les sièges. Je sais plus. Et voilà, du coup, on a 80 jetons, on est content. Allez, on va jouer un petit peu pour vous montrer comment c'est rigolo. Oui, le petit smiley rigolo. On va mettre 3 jetons. En gros, plus on a de jetons, plus on peut. En gros, voilà, si on met 1 jeton, on aura seulement la ligne du milieu qui pourra nous faire gagner. Si on met 2 jetons, on aura les 3 lignes qui pourront nous faire gagner. Et si on met 3 jetons, on aura toutes les lignes et les diagonales. Donc, on va mettre 3 jetons. Nya, nya, nya. Oh, on a perdu. Encore une fois. 3 jetons. Nya, nya, nya. Oh putain. Allez. On va gagner. Ah putain. On y arrivera. Ouais. 3 cerises. Donc 8 jetons. Du coup c'est rigolo. Oh putain. Ça joue tellement rien à chaque fois. Et oh oui. On essaie toujours de se mettre des techniques genre... Ok, donc je vais faire, je vais attendre 3,5 frames, puis ensuite j'attends 10,5 fois 83 frames, et puis voilà, et du coup on est content. Et là je me dis putain, j'ai besoin soit d'une cerise en haut, soit d'un rondodou en haut, et je gagne. Oh bah j'ai rien du tout. Donc voilà, c'est un peu de la merde. On fait des strats en fait, tu sais, tu te prends pour un grand mathématicien, alors qu'en fait, faut juste arrêter à l'arrache quoi. Allez, on va se dépêcher. On va encore faire un petit peu. On va essayer de faire plus. On va essayer de faire plus qu'une cerise quand même. Ah, des topiqueurs, donc 15 jetons, on est content. Et du coup, on a quand même perdu 2 jetons au final, puisqu'on avait, on en a plus que 78. Mais c'est pas grave. Donc, 12 ans au casino, aucun problème. Ah, bah attends, bah au pire. Au pire. Non, je vais faire ça après. Je vais d'abord battre la reine, puisqu'on n'a pas eu assez d'action. Alors, du coup, Pokémon. Poképoubelle, coupe. Voilà. Hop, on va se dépêcher. Ouais, si. Hop. Voilà. Pokémon. Poképoubelle, coupe. Et donc là, ça va être un carnage. Un carnage sans nom, puisque. Eh bien, Reptincelle va être beaucoup trop fort. Enfin, Guile, évidemment, va être beaucoup trop fort. Je dis pas le temps que j'avais mis la première fois à trouver la reine. Je comprenais pas, je me suis dit, mais putain, mais où est-ce qu'elle est et tout. En fait, je pensais que l'endroit là où on fait coupe au tout début... alors lui, c'est un gros pervers dégueulasse. En fait, je pensais que c'était juste comme souvent dans les routes ou quoi. Juste pour un vieil objet, enfin, ou des trucs comme ça, quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est là, il fallait vraiment continuer ici. Donc, c'était terrible. Et donc là, ça va être un carnage sans nom, à coup de flamèche. Allez, bonjour. Pokémon, mes jolis Pokémon, c'est des plantes si faciles à faire évoluer. Combat! Oui, malade! Alors attention, mesdames et messieurs, est-ce que la malchance va sévir une nouvelle fois dans cette vidéo? Nous allons le savoir. C'est la vidéo de la... Découle, enfin, je... Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, pour toxique, bah, il y avait bien, bah, tiens, bah, bien sûr.
Ah. J'ai perdu le mot que je voulais dire. Pas de la découverte, c'est ce de... Putain, j'ai oublié le terme que je voulais dire. Ça m'énerve. Vous savez, ces moments-là où vous voulez dire un truc, mais que vous perdez le mot que vous voulez dire. C'est terrible, hein. C'est horrible. Mais bon, c'est pas grave. Oh, on le brûle. Oh. Bah nous, on est empoisonnés, donc c'est terrible. Oh bah tiens, bah là, on en a pour un bout de temps, donc je me permets d'accélérer parce que c'est casse-couille as fuck. On meurt à petit feu. Ouais, il meurt. J'ai même pas fait gaffe à sa vie parce que du coup, il mourait de la brûlure à chaque tour. J'ai même pas fait gaffe et tant mieux. Bon, on peut quand même pousser notre Pokémon aux limites. Quand même, enfin, il est empoisonné, mais il a beaucoup de vie. Donc bon, alors, ça se trouve peut-être que là, du coup, en ne regardant pas la vie du Chétiflore, j'ai pu survivre une chance de plus, tu vois. Et du coup, ma voix est encore en vie. Alors que peut-être que s'il avait vraiment plus de vie que j'ai pas fait gaffe, bah, je serais en train de mettre une camisole de force. Pour des raisons évidentes de sécurité mentale. Alors, putain, il va me saouler, hein. Allez, putain, 44 HP quoi. Niveau 31, on est bien. Là, on va mettre que Guile, hein, vraiment. Ah, Boostiflore, ça c'est cool. On va gagner Max XP. Nice. Allez, meurs Boosti. Meurs de mes dégâts monstrueux. Voilà, souffle du poison, c'est bien. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils ont avec Ligotage? Ils ont que ça comme attaque. Oh mon dieu. Voilà, c'est fait. Je suis trop fort, je sais, je sais. Sauf que là, en fait, je vais mourir. J'ai quand même. J'ai 23 HP. Le poison, ça m'enlève 1 ou 2. Ou plus. Non, 1 HP, ok. Attention, le décompte. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. Bordel. Je pourrais jamais. 13. 12, 10, 9, 8, non, je pourrais jamais. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Quel dommage. Ah, oh, chier, attendez. Ah, oh, si, on peut le faire. Ah, oh, le survivant! Incroyable, il l'a fait. Je pouvais faire que 3 pas de plus, hein. Je pourrais. À 3 pas près. C'était ouf. Incroyable. Allez go. Qu'est-ce que je fais? Je vais passer par là, ouais. Hop, voilà. Allez, hop, coupe-moi ça. Allez, maintenant on va faire... J'ai bien... Oui, il est en premier, c'est bon. Faire toi. Ah, c'est Aku! Elle a écrit qu'est-ce tu Kesstu. Mon Dieu, elle s'est déguisée. À coup, je t'ai reconnu. Ne fais pas semblant. Oh là là. T'as changé de starter aussi? Allez, brûle. Voilà, parfait. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que dans cette vidéo, ça a pas l'air de vouloir me mettre de la malchance. Et là, si je peux avoir enfin une vidéo de rupture, c'est cool. Parce que concrètement, vraiment. 3 vidéos d'affilée, enfin d'affilée, pas dans le temps parce que j'ai fait 2 vidéos le 24 et une vidéo le 28, enfin cette la vidéo dernière aujourd'hui le 28, avec que de la malchance, enfin c'est horrible, vraiment c'est infâme. Et donc là j'ai enfin une césure, c'est cool. Mon dieu. Allez. Nickel. Il nous en reste quelques-unes. Bah écoute, t'es dégueulasse, mais bon, enfin t'es surtout une péripatéticienne. Alors, putain, mystère, le Pokémon qui hante mes cauchemars, le Pokémon qui peut t'empoisonner sur commande, t'endormir sur commande ou te paralyser sur commande, aucun problème. Horreur de ce Pokémon. Ah, attention, le Pokémon qui nous ligote. On va être ligoté, les amis! Attention! Je prévois l'avenir. Je sens... Ah non! Non! Ah non!
pensais enfin pouvoir être libéré. Je pensais vivre une existence normale. Je pensais que je pouvais être quelqu'un comme les autres. Mais le jeu ne m'accepte pas. Il m'accepte pas comme je suis. Il me pousse à mes derniers retranchements, mais ça me fait mal. Pourquoi est-ce que je peux pas combattre comme tout le monde? Pourquoi est-ce que t'es obligé de me faire subir ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je voulais juste... Ah non! Je voulais juste faire un peu 40 tomes. Je voulais juste m'amuser. Pourquoi? Ah, mais chier. Pourquoi y a qu'à moi que ça arrive? Est-ce que j'ai un antidote? Non. Bref, bon, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Et là, est-ce que je vous raconte que la première fois que j'ai fait le jeu, no kidding, pour de vrai, je vous jure, je pense que ça a dû arriver à pas mal de personnes, mais en gros, il y avait 4 personnes. Mais je ne savais pas laquelle était la championne. Et du coup, j'avais fait toutes, enfin, j'avais fait elle, puis celle à droite, puis celle tout à gauche, puis Erika. Mais je voulais faire Erika dès le début, parce que tu sais, moi, j'étais en mode, putain, j'ai pas envie de retourner au centre Pokémon et tout. Et en gros, en voulant la battre en premier, eh ben, je l'ai battue en dernière. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais là, concrètement, ça me saoule, puisque, bah, du coup, ce que je viens de dire il y a 30 secondes, comme quoi c'était enfin une période de coupure, bah, pas du tout, j'aurais dû la fermer, puisque, en gros, c'est ça qui a été l'événement déclencheur. Là, c'est pas vrai, quoi, sérieusement. Putain, c'est... Oh! C'est horrible. Ah ah! Tu as raté ton ligotage! T'es mauvais, Jack. Allez, rentre chez toi. Ah, oh, mon dieu. Un Ortide, Ortide, le Pokémon, dont tout le monde s'en souvient dans l'anime, hein. Face à Erika, forcément, le genre, on avait dû jouer les Pokémon Ranger, n'importe quoi. Ah ah! Tu es brûlé! Ouais, je suis empoisonné, mais c'est pas ça, c'est un détail, ça, concrètement. Parce que la victoire gagne! Eh ben, tu la repères avec la brûlure. Tu perds même encore plus. Allez, griffe! Eh, s'il te plaît, tue-le, je t'en supplie. Ça va vous? Moi, ça va nickel. Il n'y a absolument aucun problème. Je m'amuse beaucoup dans ce jeu. C'est vraiment le big fun. Ah là là. C'est des barres de rire. Regardez. J'ai le sourire aux lèvres. Vous ne pouvez pas me voir, mais vous pouvez m'imaginer. Je suis serein, détendu et joyeux. Qu'est-ce que je pouvais aider de mieux? Salaud! Meurs! Je suis vraiment détendu. Alors vous aussi, si vous voulez être détendu, tapez détente au 3624. Détente au 3624. C'est moins 24 centimes la minute. Du coup. Ouais. Bah, quel dommage. J'ai un Pokémon feu. Pas grave, tu vas pas m'en vouloir comme ça. Il est blessé mon Pokémon, donc ça compense. Il est empoisonné, limite life, donc voilà, tu peux accepter cette contrainte quand même, ce handicap. Allez. Oh là là, 43 HP. On va être obligé de... Il nous faut au moins 22 HP. Enfin 25, puisqu'on est plus loin. On va dire au moins 25 HP. Nice, on a gagné des HP, du coup, c'est cool. Tranche, nickel. Ouais, alors on va oublier. On va oublier Gros Yeux, qui ne sert à rien. On va prendre. Ça c'est cool, on apprend enfin des bonnes attaques. Tranche qui est une attaque beaucoup plus forte que. Enfin déjà plus puissante que Griff et qui en plus a un taux de coup critique très élevé. Donc en gros. Voilà, si on fait coup critique, c'est normal. En fait, c'est même plus normal de pas faire tout critique, concrètement. C'est un peu le truc rigolo. Allez, Flamèche. Meurs.
Donc 33 HP, on va être obligé de partir. Vilain. Vilain, bah oh. Hein? D'accord, tu te calmes. Poké-poubelle. Allez, vas-y, coupe. Hop, voilà. Attention. Il faut optimiser chacun de nos pas. C'est pour ça que je ne mettrai plus d'accélération émulateur. Puisque là, c'est une question de survie. Allez. Un. Bien. Allez. Chikarishiro. Reptin Sera. J'ai oublié le nom de Reptin Sera en anglais. C'est Shari, quoi. Charizard, c'est Dracaufeu. C'est Charileon, je crois. Charileon, je sais pas comment on dit, mais je crois que c'est ça. Allez. Du coup, maintenant, on va retourner. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Hop. 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 Putain, j'ai trop loin à chaque fois. Deux fois, je me fais avoir. Alors, du coup, on a deux dresseurs à vaincre. Dont Erika. Donc, du coup, on va se dépêcher. Coupe, voilà. On va battre la Missis. Ouais. Moi, je vais te brûler comme des déchets. D'accord. Donc, calme-toi instantanément. Alors, qu'est-ce que tu me fais de beau? 1-9, il doit être plutôt au level. 26, c'est cool. 33. On va faire. Ouais. Flamèche, c'est parti. Bon, Flamèche, c'est parce que c'est quand même une attaque. Voilà, de type très efficace, donc c'est cool. Ah ah, nul à chier. Romeur. Du coup, nickel, on va pouvoir affronter Erika sans aucun problème. 2 PP en moins, mais c'est pas ça qui va nous tuer. Allez, au revoir. 1 800 $. Bonjour et sois le bienvenu. Il fait beau, n'est-ce pas? Tu sais pas, t'es à l'intérieur, comment tu veux voir? J'aime la vie. J'aime les fleurs et les chansons. Nicki Minaj! Nicki Minaj. Kenji, plutôt, c'est pour toi! C'est chou, non? Moi, c'est Erika, la championne de l'arène des ailes à l'épaule. L'arrangement floral est ma spécialité. Putain, j'avais pas vu, je crois qu'il était spécialisé Pokémon de feu. Les Pokémon sont des types plantes. Bah tiens, je viens de répondre. Je viens de dire deux trucs, je viens de dire une réponse qui a pu marcher pour les deux trucs. Il fit grand froid hier. Alors j'ai mis un pull. Mais on s'en bat les couilles de ta vie. Hein? Tu veux le battre? Bah, dis-le mon vieux. Oh, oh, j'ai 12 ans. Si moi je suis vieux, qu'est-ce que t'es toi? Enfin, je sais pas concrètement. Si à 12 ans, t'es vieux. Toi, t'es un vieux crouton, quoi. Tu sais quoi? Tu vas perdre. Ben, c'est ce qu'on va voir. Je vais te battre avec un seul... Non, allez, deux Pokémon, puisque je vais partager l'XP avec Kenji. Empiflore, bleu bleu. Empiflore, à chaque fois que je vois Empiflore, ça me rappelle tellement l'anime. Empiflore et James, tellement des... Enfin, ça me faisait marrer, moi, à l'époque. Ah, bon, alors, ligotage, alors c'est bon, là, ça me casse les couilles, ligotage, hein. Je me permets de... Ligotage me permettrait toujours, voilà, d'accélérer parce que ça me casse les couilles. Hein. Concrètement, c'est sac de nœuds. Hein. La seule dresseur au monde, je crois, à avoir sac de nœuds dans son équipe. Nice. Étreinte. Oh, quel dommage. Allez, au revoir. Et pour finir, nice. 100 HP. Bravo. Clap, clap, clap. Raphlesia. Et donc, je vous le rappelle, dans une dernière vidéo, je sais plus laquelle c'était, je vous avais fait part de la petite anecdote comme quoi j'avais dit... Oh la vache, il est dégueulasse, on se souvenait plus. Il est même pas centré, son corps, c'est pas grave. Je vous avais fait part de la petite anecdote comme quoi, la première fois que j'avais fait Erika, j'étais face à Raphlesia et du coup, on avait dû se battre à coup de lutte puisque nous avions absolument... on n'avait plus qu'un Pokémon chacun et aucun de nous n'avait de PP, mais je me demande vraiment quel était le Pokémon que j'avais pour que ça fasse ça. Vraiment, c'est, je me pose vraiment des questions. Bah tiens, j'ai pas fait de critique cette fois-ci. Putain, poule de l'eau. Mais bon, c'était rigolo, c'est une anecdote qui, bah, que du coup, je devrais toujours. Dansefleur, c'est vrai, trop chiant de cette attaque. Ah là là, je m'en souviens de celle-là. Cogne à fond, c'est une espèce de mania. Allez, Flamèche. Allez, au revoir. C'était un plaisir. 500 chacun. Nickel. Enfin, 600 même presque. Oh, j'ai perdu. Bien joué. C'est mérité. Je te confie le badge du prisme. Nice, 3000 euros. Ouais. Le badge du prisme fera oublier les Pokémon jusqu'au niveau 50. T'inquiète pas, j'ai le temps. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser force. J'ai pas encore la CS. Prends également ceci.
C'était 21. Méga sensu, je crois. Allez. La moitié des dégâts infligés soigneront ton Pokémon. Allez, au revoir. Regardez. On a 75 000 $. Putain, on est pété de thunes. Oh, les gars, c'est bientôt la villa avec une piscine. Oh putain, c'est bientôt. C'est bientôt. C'est pour dans 15 000 Pokémon. Non, pas du tout. C'est pour jamais. Allez. Et en cas du coup, on va soigner nos Pokémon et on va ensuite aller au casino puisque nous savons tous que le casino est un méchant casino en fait. Ce n'est pas un casino tout ce qui est plus banal puisque c'est un casino du type de la Team Rocket. On a entendu parler, bah déjà quand on a parlé au mec, il dit bonjour, bienvenue au casino Rocket. D'accord. Et en plus, il y a des mecs, lorsqu'on a été chercher notre boîte, jetons, qui nous avaient dit oh là là, c'est la Team Rocket, il tient le casino. Donc forcément, ça va pas être gentil très beaucoup. D'ailleurs, je vais juste vous montrer les prix. Donc là, on a le droit à quoi? Un Abra à 120, donc lui il est faisable. Melofé à 750, Nidorino à 1200. Qui concrètement va acheter un Nidorino à 1200 jetons et un Melofé à 750 jetons alors que tu peux les avoir hyper facilement? Faut être débile. Ici, je crois qu'il y a des CT. Scarabrut, Mini Draco et Porygon. Bon, c'est pas incroyable, hein, concrètement. Scarabrut, pourtant c'est celui qui est dans notre version celui-là, donc lui tu peux l'avoir au parc Safari. Mini Draco c'est au parc Safari avec la Mega Can, donc c'est vraiment chiant pour les gars, je crois que c'est que le seul moyen de l'avoir. Et alors par contre ce qui est très bizarre, c'est que pourtant j'étais persuadé que c'était 9999. C'est assez étrange, j'étais persuadé qu'il y avait un prix à 9999. Mais en fait, pas du tout. C'est pas grave. Donc, du coup, nous allons parler à notre ami Xavier. Je surveille le poster. Bouge de là. Pourquoi tu surveilles un poster? D'accord. Ça n'a pas de sens. Tu es louche. Donc, nous avons droit à un Ratatac des grands jours. Nickel. Nous sommes niveau 34. Donc, tu vas mourir de ma tranche. Voilà. Nice, le petit coup critique qui fait plaisir. Et du coup, nous avons un Oswerapti qui sera la pâtée de Badapi. Alors, j'aurais même dû mettre Kenji, mais c'est pas grave. Waouh, Raichu, incroyable, l'attaque tonnerre. Première fois qu'on a un Raichu, donc admire Badapi, admire ton Pokémon incroyable. Voilà, il est très très beau. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un Badapi, un Raichu, parce que moi souvent, enfin. Ah, vous l'avez vu lorsque notre cachette va être découverte. Je vais prévenir le chef, n'importe quoi, le campagnard. Dans une précédente, alors c'était une des premières vidéos, je sais plus laquelle, mais c'était au niveau de un bouton secret. C'était à quel endroit? Attendez, je réfléchis. C'était au niveau du Mont Sélénite, donc c'était une des premières vidéos. En gros, je vous avais montré mes précédentes sauvegardes et du coup, je vous avais montré le fait que j'avais fait l'aventure Kai Pikachu. Et en fait, c'est pour ça, en fait, à chaque fois que je fais l'aventure et que je prends Pikachu, je ne fais jamais évoluer. En hommage à la série animée. Donc du coup, nous allons prendre un Kenji qui sera notre éclaireur. Puis pour prendre l'XP aussi. Donc là, il y aura beaucoup de combats. Donc du coup, ça va être un peu chiant. Mais c'est pas grave, on va tous les faire parce que c'est rigolo. Ouais. Soporifique. Parce qu'ils sont pas très haut level, donc c'est cool. Allez, crash pass! Oh putain, il est plus rapide que moi déjà, ça me fait pas plaisir. Ok. Les dégâts, ça va. Ok, ça va. Salaud! On va faire beaucoup d'aller-retour par contre, je pense. Ah! C'est le retour! Oh putain, me dis pas que c'est pas possible, Putain, mais si je vais faire ça à chaque combat. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je ne serai donc jamais débarrassé. Allez, Torgnol. Mur. Voilà. Putain, je serai jamais débarrassé de cette merde, quoi. Je serai obligé de toujours me les prendre. Machoke. Oula, Machoke, on va changer de Pokémon. On va très vite changer de Pokémon. On va prendre Nicki Minaj. Oh putain. Allez, bon toi par contre t'as énormément d'attaque aussi, donc concrètement tu devrais le tuer. Concrètement. Logiquement. C'est bon. Ah là. Donc là je crois qu'en bas, c'est juste une corde sortie. Je crois.
Pas du tout, y a rien du tout. Donc ce n'est pas là. Donc ouais, ça c'est labyrinthique, mais on s'en sort. Y a pas une corde. Si, ça doit être là. Ouais, c'est ça. Ok, je voulais juste avoir la corde sortie. Donc on est à 35 minutes, on va continuer. Hein. Yo, t'as tout cassé nos plans. J'ai encore rien fait. Hein. Je suis juste entré dans votre plan concrètement. Ouh, la rat attaque. On va tenter une patate de forain pour voir ce que ça donne. Et moi? Ah, mais s'il me fait un croc de mort, je vais mourir, donc c'est un peu chiant. On va envoyer... Adapi. On va envoyer Badapi. Notre gros bourreichou. Tiens, météore! Salaud. Tiens, les noms des gars. Le compteur ne cessera jamais. Oh putain, c'est pas vrai. Repos. Laissez-moi réfléchir. Repos. Je sais pas, repos. Ça peut être intéressant. Je n'aime pas trop savoir. Boule armure, c'est quand même très fort. Hein. Si je joue vraiment le tank. Non. Surtout que le fait de se réveiller. Non, ouais. En gros, j'allais dire. Non. Bah, au pire, il aura le mettre des capacités, mais je vais pas prendre repos. Et ratatak, on va garder Raichu, hein. Putain, mais c'est. Putain, le. En fait, le. Honnêtement, je vais vous dire. Le. Ça, j'ai tellement été. Saoulé dans la dernière vidéo avec tous les. Les malchances que j'ai eues. Vraiment, j'en ai jamais eu autant dans une vidéo, je crois. Hein. Vraiment, c'était terrible. J'en ai tellement eu en fait que je suis vraiment, enfin, concrètement, je suis fatigué là. C'est horrible, je suis fatigué. Donc c'est pour vous dire à quel point je peux, en fait, je peux même plus crier, enfin, je peux même plus péter mon câble quoi, c'est horrible. Ouais, c'est comme ça. Donc en fait, voilà, j'ai. En fait, je m'attendais tellement pas à avoir autant de malchance que. Voilà, ça m'a épuisé. C'est horrible en fait, quand tu dis qu'un truc aussi con t'épuise. Mais c'est vrai, ça m'épuise. Oui, vampirisme, c'est bien. On est à 40 minutes, donc je pense qu'on va. On va. Ouais, au moins on aura fait le début, ça nous fera ça de moins dans les prochaines parties. Parce que c'est assez grand, on en empêche, hein. 87 points d'XP, ça me donne tellement rien. Smogo, ouais, on va tout. Limite, on peut tout faire avec Kenji. On va voir. Ce qui est dommage avec Kenji, c'est qu'il est, il a un énorme potentiel. Mais je sais pas comment l'exploiter au maximum en fait. Parce qu'en fait, il est très. Enfin, il a beaucoup de vie. Bah oui, bah bien sûr. Tiens, on l'a pas encore fait celle-là. Donc, il a beaucoup de vie, il a beaucoup d'armure. Si je. Pff, putain. Ah. Oh là 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 là, c'est pas vrai, c'est terrible. Il a beaucoup de vie, il peut avoir beaucoup d'armure avec boule armure, mais je sais pas comment optimiser ses dégâts d'attaque. Alors en fait, concrètement, là je suis. Après, quand je vous dis que je suis fatigué, il y a un trésor aussi qui fait que je suis fatigué. Concrètement. Je passe mon temps à pester contre mon ordinateur. Puisqu'en fait, alors mon ordinateur il est assez vieux. Déjà, c'est un ordinateur portable. Donc un HP, tout ce qui est plus basique. Hein, c'est ce que je pourrais voir. C'est un H. Alors là, de ce que je vois sur la marqué sur l'ordinateur, c'est marqué HP Pavilion série, Pavilion G Series. En gros, pour vous dire, c'est un ordinateur portable, tout ce qui est plus basique. Vraiment. Sauf qu'en fait, ça fait depuis 2009 que je l'ai. Donc ça fait 6 ans que je l'ai. Et je l'ai toujours utilisé dans une optique, pas de gaming, mais
presque en fait, enfin dans le sens où les choses que je fais dessus, en gros là c'est vraiment un PC. Ce que je dois faire dessus, c'est regarder des, aller sur internet et regarder des vidéos, enfin c'est tout. Là ce que je fais, c'est que je capture des vidéos avec, je rends des vidéos avec, donc concrètement ça me prend énormément de temps et bah le coco en fait il est un peu plus. Et concrètement en ce moment tous les jours, en fait, donc là nous sommes le, je sais pas quel jour, on est le 28 juillet. On est le 28 juillet. Et ça fait presque 2 semaines, plus ou moins 2 semaines, on va dire, que chaque jour, il plante au moins 2 fois. Il peut planter 3 fois des fois, c'est horrible. Et du coup, à chaque fois qu'il plante, ça me fait péter mon câble. Puisque, bah, c'est, en fait, c'est horrible. Parce que, en fait, ce que je fais, c'est que chaque jour, je suis obligé de faire un rendu vidéo de Xenoblade Chronicles. Puisqu'en fait, à cause bah, du bac de la fin de l'année, plus des recherches d'appartement, enfin voilà, de l'après-bac, j'ai pas pu tenir mon rythme d'une vidéo tous les 3 jours. Et du coup, j'ai environ 1 mois de retard sur les vidéos. Parce qu'en gros, j'en parle dans mes vidéos, je dis, cette vidéo-là devrait sortir, bah du coup, je dis début juillet. Et là, en fait, on est fin juillet, quoi. Donc, j'ai un peu plus ou moins 1 mois de retard. Et du coup, ça fait 3 fois que ça m'arrive de faire un rendu vidéo. Donc qui dure 10 heures, hein, genre 35-40 minutes de vidéo à peine, hein, ça dure 10 heures un rendu, et un rendu seulement HD tout simple hein, sur Vegas Pro, donc c'est horrible. Et lorsque je vois que ça fait 3 fois que à 10-15 minutes de la fin du rendu, mon ordi plante, ça me fait rager. Donc du coup je rage, et en plus je suis quelqu'un qui télécharge beaucoup d'animes, parce que j'adore les animes. Et donc quand je vois que ça coupe en plein milieu d'un signe un téléchargement d'anime, bah ça me fait péter mon câble. Donc ça plus Pokémon qui me fait péter mon câble à chaque fois... Je suis plus ou moins fatigué, c'est terrible. Donc voilà, c'est voilà la raison pour laquelle du coup je suis fatigué actuellement et pour laquelle du coup dans cette vidéo là j'ai moins ragé parce que voilà en fait j'en peux plus quoi. Enfin du coup peut-être que pour vous c'est mieux le fait que je rage moins, mais en fait là devant mon PC j'en peux plus en fait. Je suis vraiment exténué, mais pour de vrai en fait c'est terrible de dire ça comme ça, mais le jeu m'exténue. C'est terrible, c'est une dimension dramatique, mais c'est le cas quoi. Donc bon, je vais m'arrêter ici, donc j'espère que cette petite vidéo, la 9e, je crois, j'ai même plus, épisode de Poké Random vous aura plu, on aura fait l'arène d'Erika et le début du casino de la planque secrète de la Team Rocket, plutôt. Donc si la vidéo vous a plu, bah écoutez, mettez-moi un petit pouce bleu, et puis aussi dans les commentaires, hein, voilà, si vous voulez réagir. Vous pouvez aussi également la partager, hein, tout simplement. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, hein, c'est facile, rapide et gratuit, et comme ça vous pourrez voir la suite de ce walkthrough, de ce Poké Random, hein, de la malchance. Limite, tu pourrais l'appeler comme ça, Poké Random de la malchance. Limite, ça pourrait être le nouveau nom, quoi. Et puis voilà, donc aussi, ce sera dans la description, mais je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, afin d'être au courant de toute l'actualité de mes vidéos. Voilà, je vous laisse ici. Je vous fais un bon gros bisou. De la Team Rocket, ciao!